site de maintenance et de remisage du tramway T6 qui relie Châtillon-Montrouge à Vélizy et à Viroflay. C'est un bâtiment qui est construit spécifiquement pour la maintenance et le remisage des 28 rames qui vont donc circuler sur la ligne T6. Et c'est un bâtiment qui a un fort parti architectural et qui répond aussi à des normes environnementales relativement élevées, donc en termes de confort, de performance thermique et de performance énergétique. Le matériel roulant, c'est un STE6 de chez Translore initialement, suite à la passation du marché en 2010, qui est maintenant de la société NTL depuis sa reprise par Alstom. Le matériel roulant mesure 46 mètres, c'est le plus long tramway de France. Le matériel sera livré en deux parties sur deux camions parce qu'il est trop long pour passer sur un seul et sera reformé en arrivant ici au SMR pour former la rame dans sa totalité. Regarde ça, on est beaucoup plus en appui là-dessus. Je suis le futur responsable de site et de la maintenance du tramway sur la future ligne T6. Alors, la particularité de cet atelier, il est lié exclusivement à la partie guidage de ce matériel roulant. Donc, cet atelier est constitué de 4 voies, dont 2 avec passerelle. Et la particularité de ces voies d'atelier, c'est qu'elles sont sans fosse de visite, contrairement à tous les ateliers RER ou métro. Cette rame STE6 de New Translore a une capacité de 252 passagers, à la norme de 4 personnes par mètre carré. Le design extérieur sera équipé de la liane stiff, symbolique du design francilien. Vous pouvez constater que le design intérieur reprend la symbolique graphique des stations avec l'ensemble des motifs sur les sièges ainsi que les couleurs. Ce choix du design a d'ailleurs été fait en concertation avec l'ensemble des partenaires du projet.